Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés. Vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus et au mépris de votre santé mentale. Vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Ce sixième épisode de VHS, visionnage rendement subjectif, émission des films plus ou moins connus. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, Fabien, et toi? Mais ça va très... Mais regarde-toi, regardez-nous. Nous sommes en dessin animé. Mais comment ça se fait? Je crois qu'il y a une relation de cause à effet entre la thématique du jour et notre état actuel. Oui, parce qu'on va parler de films d'animation. Tout à fait. Et pourtant, Fabien, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas qu'une seule technique d'animation? Bien sûr, il y a le stop motion, par exemple. Ou encore, il y a le CGI par ordinateur. C'est génial. C'est génial. On peut faire plein d'univers et de personnages. Et salut tout le monde et bienvenue. Et rebonjour surtout. Tata. On remercie du coup Dune qui nous a fait ces magnifiques petites figurines. Nous, c'est nous en dessin animé. Et on a la classe. Allez, ça. Parfait, hein. C'est pas beau, hein? Très réussi, donc on te fait encore un petit coucou, merci beaucoup. On va les mettre, tiens, voilà. On va les mettre là, bonne idée. N'hésitez pas, vous voyez qu'elle a du talent. Voilà, et ben écoutons, perdons pas de temps, Mathieu, on commence avec ton film, je crois. Eh bien, allons-y tout de suite. La sélection de Mathieu. Et nous voici donc pour le premier film, Kaina de Chris Delaporte. Alors, avant de commencer par le synopsis, je voudrais quand même commencer par les avis. Et donc, Fabien, qu'est-ce que tu as pensé du film? Je suis pris de court. Bah écoute, Kaina, je ne connaissais pas, tu m'as fait découvrir et du coup, tu m'as dit que c'était le premier film d'animation. En image synthèse, français. Que dire de plus? Je n'ai pas vraiment beaucoup aimé le film. J'ai aimé ton choix dans le sens où c'était important de voir le premier film d'animation et de voir que depuis du coup 2003, on a largement bien évolué. Et heureusement d'ailleurs, il est plutôt simpliste dans son écriture, plutôt simpliste dans sa mise en scène, mais quand tu regardes le travail qu'il y a eu derrière, j'avais regardé dans les archives, il y a eu beaucoup de temps, je crois qu'il y a eu plus de 35 000 heures de rendu. Oui. Donc c'est juste ouf. Donc, premier avis, je trouvais ça intéressant, mais ça ne m'a pas emballé. Eh oui, ce n'est pas Toy Story qui veut, et je crois que je vais être en fait de même avec toi, donc ça va être un débat assez rapide, on va surtout être sur la présentation du film. Alors le film se laisse regarder, c'est un film avec une petite fable écolo qui convient très bien pour les enfants. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a un petit peu de suspense, et surtout il y a des bons sentiments parce que c'est la nature et que c'est super gentil. Malheureusement, pour un premier film d'animation en CGI en France, on pouvait espérer que ce soit un truc qui tape un peu plus fort, puisqu'on a aussi d'excellents animateurs, on a d'excellents scénaristes de dessins animés en France. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à bien donner, à bien faire une bonne alchimie pour ce premier film. Mais malgré tout, il a quand même des qualités. Alors, est-ce qu'on va commencer tout de suite par la fiche technique? Donc, oui, le pitch, le synopsis. Donc, Kaina est une jeune fille qui vit dans un arbre-monde qui s'appelle Axis. Et c'est spoilé en fait dès le départ, c'est le premier plan du film. En fait, l'arbre-monde, c'est le résultat d'un problème de vaisseau spatial. Si bien qu'en fait, elle fait partie d'une tribu qui a dégénéré, qui est issue de l'équipage du vaisseau et qui a dégénéré jusqu'à devenir une petite tribu indigène, vivant à la crainte divine qui bosse pour récolter la sève de l'arbre monde de Axis pour l'envoyer aux dieux qui en fait sont d'autres personnages qu'on ne veut pas dire parce que quand même il faut qu'il y ait un petit peu de suspense, mais disons c'est assez convenu. Exactement. Alors, moi, la première impression que j'ai vue quand je l'ai vu, c'est... après, c'est le fait de ne pas l'avoir vu quand il est sorti. J'avais l'impression que c'était un mélange, entre guillemets, dans l'approche de Arthur et les Minimoys, mélangé avec un petit côté « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?» de Goose, qui est sorti il y a quelques années. C'était pas très bon, c'était pas bon du tout non plus, personnellement. Il y a une petite approche avec ce côté prophétie, avec ce côté ce personnage qui va se remettre en question, on connaît l'histoire, qui va du coup devoir sauver tout son monde et tout l'univers à côté.
Mais je pense que le vrai travail à l'époque, c'était du coup ce travail technique de l'animation 3D. Et tout le reste, pour moi, passe un petit peu en arrière-plan et pas forcément l'intérêt du travail. Sachant qu'en plus, le film, à la base, était un projet de jeu vidéo. Tout à fait, effectivement. On aurait peut-être le rester. Alors, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a une sensation très jeu vidéo, très on va d'un point à un autre, hélas. Ouais, et que, donc un jeu vidéo après qui est devenu un moyen métrage, et qui le moyen métrage avait plutôt bien eu des bons échos, et du coup ils ont fait un long métrage, et l'ont étiré un petit peu trop, je trouve, et pour en plus en faire après un jeu vidéo en produit dérivé. Effectivement. Bon, je ne sais pas quel était le jeu vidéo lui-même, parce que je ne crois même pas l'avoir vu dans les magazines que je lisais à l'époque. Par contre, Kaina, j'avais vu la bande-annonce dans, je crois que c'était Cine Live que je lisais à ce moment-là, et donc il y avait un DVD avec des bandes-annonces. Les CD-ROM, je les avais aussi un temps, c'est vrai. Et oui, pas la VHS, mais c'était juste après. Voilà, donc Kaina, effectivement, alors déjà donc c'est réalisé par Chris Delaporte, c'était mon premier long métrage. Il travaillait donc pour Marc Dupontavis, qui est le producteur exécutif. Marc Dupontavis, vous pouvez le connaître pour des séries comme Les Anciens de l'Espace ou encore pour Oggy et les Cafards. Donc c'est de l'humour normalement assez bas de plafond. Pour un cafard, voilà. c'est normal. Oui. Là, c'est plutôt ras de plancher. Ras de plancher. Mais donc, Marc Dupontavis aussi, c'est quand même un ponte pour ce qui est genre de l'animation en France. Donc pourquoi ce choix, Mathieu, en fait ? Alors, ce choix-là, en fait, c'est parce qu'on avait déjà évoqué avec la première émission des dessins animés dessinés. Maintenant, on a du CGI et j'annonce un petit peu, je tease ton film, ça va être du stop motion. Exactement. Et là, moi, où ça m'intéresse, c'est... je ne vais pas rester sur le côté narratif parce que, comme tu l'as dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est assez fade parce que ça ne va pas très très loin. Alors qu'il y aurait des trucs à faire en faisant un dessin animé un peu plus mature. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est dans l'animation traditionnelle, c'est-à-dire dans le pinceau à la main, même si on le fait maintenant avec ordinateur, c'est que quasiment tous les métiers de création de l'image sont sont remplacés par justement le dessinateur. Tandis que avec le CGI, on retrouve des métiers comme par exemple le directeur de la photo, parce que là on indique où est-ce qu'on veut placer une lumière, à quelle intensité, etc. Et dans la version stop motion, en fait, c'est quasiment du cinéma en live, sauf que là justement on fait bouger les acteurs image par image. Exactement. Donc c'était pour représenter cet aspect, le CGI, avec... Bon, le CGI, là, il est quand même de pas trop mauvaise qualité. Pour l'époque, non. Après, ça m'a dit, parce qu'on a tellement été bercé maintenant à de nouvelles technologies. Et mais pour l'époque, ça va. Et quelques éléments aussi, quand même, pour moi, qui restaient quand même bons. Ce qui reste bon, c'est le casting. Oui, tout à fait. Déjà, avec le casting français, on a Cécile de France. Voilà. On a Michael Lonsal, donc celui qui double Gandalf, notamment. Entre autres. Une grosse voix. Fuyez, pauvre fou. Voilà, on a Victoria Abril. Voilà, on a quand même des acteurs plutôt... plutôt... Ah. Ensuite, on revient sur des... Ouais. Ah, il y a Jean-Michel Farcy. Ouais, il y a Jean-Michel Farcy. Ça va être le frère de Bernard Farcy. Dans le rôle voilà. de Sade. Mais d'autant plus qu'on trouve aussi l'intérêt dans le sens que le film a été exporté. Voilà. Notamment, on retrouve Kirsten Dunst à la voix américaine. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà. En tout cas, le film est à regarder. Le film est pas ouf, on va pas se mentir. Voilà. Mais dans le contexte de l'époque, il y avait vraiment un gros travail. Et pour ceux qui sont du coup intéressés par ce genre d'animation ou une animation, il faut l'avoir vu, je pense quand même. Voilà. Donc, je crois qu'on va passer directement à ton film à toi. Bah, passons à mon film, vas-y. Passons à ton film. La sélection de Fabien. Et du coup, passons à mon film, ma sélection de ce mois-ci, Mathieu. Et je suis très content de vous faire découvrir un film que j'aime beaucoup. Alors, vous connaissez sans doute Wes Anderson, qui a réalisé... Budapest Hotel, La Famille Tenenbaum, La Vie Aquatique, Moonrise Kingdom, voilà. Et dans sa filmographie, il y a un film qui passe un peu plus inaperçu, qui est un film d'animation. Et qui s'appelle Fantastic Mr. Fox, adapté de Roald Dahl et qui est sorti en 2010. Exactement, et qui est adapté du coup de Fantastic Maître Renard, un bouquin que j'avais lu en primaire, que j'avais beaucoup aimé. Et que moi je n'ai pas lu.
Et oui. Je te le passerai. Je suis très en retard sur les Roald Dahl. Et du coup, qui était vraiment le bouquin, en tout cas, en lui-même, était vraiment un conte et une belle fable, une belle histoire, qui raconte l'histoire de Mr. Fox, qui est un très bon voleur de poules, on va dire ça comme ça. Et de cidre. Et qui, le jour, un jour, fait la promesse à sa femme, le jour où ils apprennent qu'ils vont avoir un enfant, de se ranger. Du coup, ils se retrouvent quelques années plus tard à être journalistes, mais ils s'ennuient profondément dans leur maison un petit peu miteuse parce qu'ils se sentent pauvres. Mais sa maison n'est pas très loin de trois fermiers qui, eux, vivent très bien et surtout produisent donc du cidre. Des poules. Et le troisième, on se souvient jamais, mais je crois que c'est pas le foie gras. C'est ça. C'est de l'oie même, c'est du foie gras ou du foie. Enfin, c'est la proie des renards. Voilà, donc le renard va se dire, tiens, pourquoi pas faire un bon coup pour essayer de redonner un petit peu... Le sens de sa vie, le piment. Exactement, parce qu'il se remet beaucoup en question avec le personnage. Voilà, c'est un film en stop motion. Donc image par image, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, donc du stop motion avec des sortes de, on va dire, qui s'apparentent plus à des marionnettes un petit peu, un peu des poupées, donc vous voyez les images j'imagine en même temps, mais voilà, un petit peu des poupées vraiment, donc le renard a des poils, a des vrais vêtements, voilà, c'est pas comme Wallace et Gromit par exemple, où là c'est de la pâte à modeler un peu plus fake on va dire, là on a vraiment des textures qui sont bien travaillées. Et ben j'adore ce film tout simplement parce que Wes Anderson, j'adore son univers, j'adore son côté décalé, le fait de jouer avec les éléments, les décors, du hors-champ, du ce qui se passe en premier plan, ce qui se passe en second plan. Il a vraiment utilisé, en tout cas dans tous ses films en général, toutes les facettes. En fait, pour lui, la mise en scène, c'est pas que les personnages, c'est aussi les décors. Et ça, c'est hyper intéressant. Et là, on sent qu'il s'est fait plaisir. Parce que vraiment, le film, pour moi, limite, est un feel-good movie à la fin. Qu'il est péchu. Et j'aime beaucoup. Voilà, mon premier avis. Mathieu, toi. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que moi, je l'ai vu au cinéma, et ça m'avait beaucoup plu. Alors, j'ai parfois un peu de mal avec Wes Anderson, à cause de sa façon de réaliser. Son cadrage extrêmement droit, ses mouvements. Il joue beaucoup avec des mathématiques, avec des cadres très précis, ouais, c'est vrai. Mais par exemple, pour Moonrise Kingdom, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti un peu mal à l'aise devant cette façon de faire. Par contre, avec Fantastic Mr. Fox et en corrélation avec cette technique d'animation, c'était parfait. Là, rien à redire, les personnages sont bons, l'animation est bonne. Et justement, moi, ça va être le côté que je voudrais aborder, c'est au niveau. Stop motion et technique. Mais donc maintenant. Parlons sur la mise en scène, très bien. En fait, il y a un petit côté. Donc dans stop motion, c'est vrai qu'on peut plus ou moins appréhender des mouvements lisses. Donc on peut soit faire un personnage qui va être très fluide, ou soit faire un personnage par saccade qui va jouer sur le côté burlesque, sur le côté un petit peu fluideur. Et là, comme ce sont des animaux sauvages, du coup. Comme ce sont des animaux sauvages, du coup, en fonction des personnages, il va du coup jouer avec la prestance, le poids et la façon et les agilités de chacun. Et ça, vraiment, c'est super bien mis en place. La musique est très bien rythmée aussi et est une autre partie de la mise en scène chez Wes Anderson. Et là, c'est Alexandre Desplat qui s'est mis, qui est devenu son compositeur attitré. Ouais, Oui, c'est vrai. Et du coup, à ce niveau-là, je ne peux que conseiller. Que dire de plus, le casting voix, donc toi, tu l'avais en VO. Alors moi, je l'ai vu en VO. Je l'avais vu... non, je crois que je l'ai vu seulement en VO. D'accord. Parce que non, c'est au cinéma, je ne l'ai pas vu justement en VO aussi. Donc en VF, on a Mathieu Améric, qui est un très bon doubleur en fait pour des personnages. Il a une voix quand même assez atypique. On a Isabelle Huppert qui fait la femme. Et après, on a toutes des voix qu'on a déjà entendues dans le cinéma français. Qui sont. Brian Cox. Leur nom, on ne dit rien, mais à l'entente, on les connaît, ces voix. Là-dessus, on peut vous conseiller une émission sur YouTube qui est ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, où ils ont une petite rubrique Devine qui j'ai doublé qui est très intéressante. Et en VO, du coup, on retrouve qui en Alors, on retrouve des grands classiques de Wes Anderson, à savoir, alors pas George Clooney qui est un peu plus rare. Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray. Ouais. Avec le début déjà d'Argeling Express. William Defoe. C'est juste génial, voilà. Quoi. Tu as Adrien Brody aussi, un très très grand acteur pour Wes Anderson. Michael Gambon. C'est juste parfait. Donc, et Wes Anderson lui-même qui joue le rôle de Belette. Oui, il fait la voix de la Belette qui vend l'arbre avant qu'ils y habitent. C'est ça, d'accord. Et qui présente les personnages. Et qui a son anecdote un peu bizarre. Exactement. Et puis dans l'animation aussi, moi je trouve qu'il y a vraiment des petites trouvailles.
en ayant vu quand même pas mal. Notamment, il y a la séquence de fin où, du coup, là, il y a une guerre totale qui s'éclate entre les animaux et les fermiers. Et moi, j'ai adoré l'effet qu'ils ont fait pour la fumée et pour les feux. Oui. Donc, oui, c'est, genre la fumée, c'est du coton. Et tu dis, mais ils ont passé du temps à faire image par image ça, avec ça du coton. Ça fait un peu Michel Gondry, parce qu'il y a aussi... Mais c'est là qu'on voit l'amour de l'objet, l'amour de la matière aussi. Ouais, de la matière. Ouais. Notant les costumes, que les textiles sont tellement réels, que même le décor, les maisons, le jeu avec l'eau, avec les éléments, elle est vraiment hyper bien trouvée. Et toute la galerie de personnages est hyper bien traitée. Et pour ceux qui sont fans d'animation, franchement, si vous n'avez pas vu celui-là, il faut sauter dessus. Parce que voilà, pour moi, j'en ai pas revu d'autres des comme ça. Ça, en plus, c'est un bon film pour les enfants, parce que c'est pas seulement sur la veine écolo, il y a un petit message écolo dedans, bien sûr. Mais là, il y a aussi des questions de valeurs morales, d'éthique, de justice et d'équité. Et tu as des moments où tu flippes un petit peu, parce qu'à un moment, le renard, il perd un petit quelque chose quand même. Oui. Donc ça indique que bien mal acquis ne profite jamais. J'avoue, tout à fait. Mais il y a vraiment des questions existentielles dans le film. Tous les personnages ont vraiment des enjeux. C'est mature et c'est ludique en même temps. Et c'est pratique pour apprendre les noms latins des animaux. Oui, effectivement. Moi, d'ailleurs, je les avais appris à l'époque quand je faisais l'environnement. Et là, ça m'a fait marrer de les revoir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Voilà, que dire de plus? Fantastic Mr. Fox, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Donc il faut sauter dessus, il faut le regarder. J'ai hâte qu'il refasse un jour peut-être un film d'animation, Wes Anderson, ça serait cool. Oui, pourquoi pas. On verra aussi à quelle nouvelle technique il va se frotter. Parce que là, qui sait comment sa patte de réalisateur va faire aboutir une nouvelle œuvre. Et en parlant de patte et de réalisateur, aujourd'hui on a un invité mais qui envoie du lourd et de marque et qui casse des carreaux, je peux vous le dire. Oh, mes blagues. Et ouais, et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'invité du jour. Ça va être extra. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité de cette 6e émission VHS. Marc Caro, on l'applaudit bien fort. Ah ben, on va l'applaudir, mais je suis très honoré de t'avoir parmi nous ce soir. Nous sommes très honorés. J'étais pas sûr, donc j'ai fait gaffe. Donc, Marc Caro, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es réalisateur, tu es directeur artistique et tu viens surtout du monde de la BD. Metal Hurlant. Notamment, tu as travaillé pour Metal Hurlant. Donc, tu as réalisé des pubs, des clips, des films. On retiendra surtout tes trois longs métrages, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus. Et celui que tu as fait en solo, donc Dante 01. Exactement. On te voit autant à l'écriture, mais aussi devant la caméra, de par moment, pour te faire plaisir, peut-être. Au moins, le bunker de la dernière rafale. Avec... Ah, bah là, vous avez le principe. Tu as aussi travaillé sur la direction artistique des films tels que Le Dernier Chaperon Rouge, qui est un court-métrage, je crois. Un moyen-métrage. De Yann Kounen. Blueberry aussi, de Yann Kounen. Tu as travaillé aussi sur Vidoc. Et plus récemment, Enter the Void. Oui. Gaspard, oui. Et voilà. Et aussi, petite cerise sur le gâteau, enfin, je pense, tu as travaillé notamment sur les designs pour Alien Résurrection, donc le 4 de ton ami Jean-Pierre Jeunet. Tout à fait. Ouais. Puis ça, c'est que ceux qui ont été finalisés comme films. Voilà. J'ai bossé pour des films pour Jodorowsky, pour parler de Christophe Gans, etc. Voilà. Et en fait, Marc, tu es un peu le rocker badass du steampunk de la science-fiction made in France. Là, alors, faudra peut-être que tu me précises ce que tu veux entendre par là. C'est lui qui l'écrit. Rocker badass. Moi, je revendique complètement le. La définition. Non, pas celle-là. Moi, c'est plutôt punk taoïste. Punk taoïste. Voilà. Ah, et ben, je vais la refaire. Voilà. Tu es un peu le punk taoïste. Tout à fait. Tout à fait. Tu as découvert ça. son secret. Voilà, je l'ai percé. Moi, tu suis. Mon secret. Merci. Donc voilà, Mathieu, je te laisse commencer. Alors. Punk sans crête de Huron, quand même. On a vu. Ah, mais justement, c'est. Bon, je taoïste et punk au niveau de la barbe. Petit scarabée. Donc, sur cette longue route où nous sommes petits scarabées, aura-t-on le loisir un jour de voir, le plaisir de voir un nouveau film estampillé Marc Caro sur les écrans? Eh bien, j'œuvre, moi, depuis des années pour en faire plus que ça de films. Hein, et c'est malheureusement très difficile à trouver le financement.
pour faire des films qui ne sont pas des comédies françaises en France. Ah, ah oui, c'est ou des drames sociaux. Des films pour la télévision à 20h30 avec des gens qu'on voit à la télévision qui présentent la météo ou qui jouent, font du football ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile pour faire des films. Bah, de toute façon, la science-fiction en général, qui est ton univers, on va dire, de prédilection à la base, c'est du film de genre et on sait très bien qu'en France, le film de genre, et notamment la science-fiction par exemple, ou le film d'horreur, ou le film d'épouvante, c'est difficile d'en faire. Parce que vous ne donnez pas les sous, tout simplement. Vous leur donnez pas les sous. Alors que c'est bon comme du sandwich jambon. Voilà. Donc, donc c'est sauf triste. Sauf quand t'es végétarien. C'est triste. Mais on y croit et on a hâte de voir. Et tu peux bien, j'œuvre. Et j'espère qu'un jour, touchant du bois. Mais au moins, il y a déjà des pitchs, il y a déjà des idées, des oui, pistes. Oui, les projets, le problème, c'est après, il faut les finaliser. Hein. Et quand on œuvre un peu dans ce genre de film, surtout les genres de films que je peux proposer, qui sont quand même très visuels et avec beaucoup. Qui nécessitent un peu des moyens, puisque tout est créé, les costumes, les décors, les personnages, etc. Mais l'identité graphique, voilà. Quoi, vraiment, forcée. C'est, ça coûte un peu du pognon, quoi. Voilà. Donc, voilà. Oui. Mais, c'est sûr et certain. Et non, tu pars dans des choses que tu pars dans la lignée de ce que tu as déjà fait ou tu pars vraiment sur des choses totalement différentes parce que les moyens et la technologie aujourd'hui ont vachement évolué. Donc est-ce que ça te donne envie de tenter? Alors, moi ce que je trouve qui est rassurant en tout cas à mon niveau, c'est que toute la technologie effectivement a les outils qu'on a à notre disposition maintenant sont vraiment de moins en moins chers, de plus en plus performants et ça me rend un peu optimiste, ça. C'est vrai qu'au niveau des outils, ouais. Ça va coûter un peu moins cher de faire certaines choses. Mais il y a quand même... faut un peu amorcer la pompe pour faire un film, donc il y a quand même un peu de moyens. Moi, je ne peux pas tourner tu vois, un film dans la rue avec des gens normaux, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne saurais peut-être même pas le faire, tu vois. Donc, dès que tu veux fabriquer des créatures, des trucs comme ça, c'est du latex, c'est de la résine, c'est des machins, ça coûte du pognon. Et on n'est pas dans un pays... qui a envie d'exporter, j'ai l'impression, tu vois, parce que des films visuels, moi j'ai remarqué avec les trois films que j'ai fait en long métrage, c'est des films qui se sont exportés dans 50 pays, même plus que ça, tu vois, c'est international. Mais ici, non, on préfère faire des trucs qui font peut-être 20 millions... sur ici, le sol. Sur le sol, mais qui après, personne n'a rien à faire. Tu vois. Ouais. Mais tu as pensé peut-être à voyager pour chercher à travailler aux États-Unis? Alors, ça, j'ai des potes qui ont fait ça. Ouais. Alors, il y en a qui s'en sont très bien sortis, comme Jean-Pierre Jeunet, hein, avec son Alien. Et il a vraiment. Bon, Alien, c'est vraiment. Chaque fois, ils ont été chercher des réalisateurs qui avaient un vrai univers et tout ça. Ah, oui. Donc ça, tu vois, que ce soit Fincher, Cameron... Mais qu'ils n'avaient pas une proposition bien voilà, différente. Voilà, c'était vraiment des propositions. Donc ça, c'est une série très particulière. Mais j'ai plein d'autres amis, moi, qui ont fait des films aux États-Unis où après, là-bas, c'est difficile pour eux. Parce que c'est... déjà, on vous file quand même ce que les Américains ne veulent pas faire. Oui, c'est ça. S'en rendre compte, hein. Et puis après, vous avez 10 000 personnes qui vont vous dire... comment faut faire. Donc voilà. C'est un peu limitant. Donc, moi, on m'a fait des propositions. J'en ai jamais trouvé une qui m'est convenue. Mmh. Voilà. Et j'ai eu plus des trucs un peu plus sérieux avec le Japon. Parce que j'ai un peu plus de feeling avec eux. Moi. Donc, tu parlais d'Alien, je vais rebondir sur la question, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Un Covenant vient de sortir, à qui voudra en parler. Mmh. Mais du coup, toi, tu as bossé sur certains designs du coup du Résurrection. Oui, qu'est-ce tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait exactement 4. Alors j'ai fait, Jean-Pierre m'a demandé de faire le caractère design, c'est un peu les costumes, un peu les têtes, les coiffures, des choses comme ça. Pour donc hybride, c'était toi Non, alors ça a été mon grand regret. Un, que Jiger n'a pas bossé dessus non plus. Hein. Ouais. Et secondo, les gens qui ont fait la, comment ça s'appelle les créatures aliens, quoi. C'était les gens qui fabriquaient les animatroniques et tout ça. D'accord. Ouais. Donc au niveau design, j'ai pas trouvé. Et bon, d'accord. Et moi j'ai même pas pu bosser plus dessus. Sur les costumes des personnages. C'était plus les. Voilà. Un des trucs qui reste, qui est le plus près de ce que j'avais proposé, c'est le personnage de Pinon, là, dans son avec son fauteuil. Avec son fauteuil. Et tout ça. Ça, c'est. Voilà. Là, ce serait sur. Jean, puisqu'on est sur, la, sur les influences et tout ça. En tant que directeur artistique, pour ce qui est de la création d'univers, comment est-ce que tu fais
pour concevoir un univers. Ça devient d'un seul coup, c'est une construction petit à petit sur une commande ou quelque chose comme ça? Alors, ça dépend de quel... ça dépend de si je suis juste directeur artistique ou si je m'occupe juste de telle ou telle partie, des costumes ou alors du décor, des choses comme ça. Moi, je fonctionne en fonction d'une demande. C'est souvent des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, comme Jean-Pierre, comme Gaspard Noé, Yann Kounel, qui sont des gens que je connais et qui ont des projets et viennent me demander « Ah, tu peux pas me filer un coup de main sur telle ou telle partie de mon film ?» Comme ça, j'ai aidé Yann pour faire son Vibro Boy ou la taupe là, dans Le Dernier Chaperon Rouge, des choses comme ça, quoi. Et puis, Gaspard, lui, il m'a demandé de venir lui filer un coup de main sur son tournage au Japon. Là, pour, il n'avait pas beaucoup l'habitude des décors et des choses comme ça, donc il voulait que je m'occupe un peu de tout cet aspect-là sur son film. C'était, c'est vrai que c'était un sacré boulot quand même, le décor Enter the Void. Oui, oui, il y a des trucs incroyables. C'est quasiment un personnage à part entière, la ville de Tokyo, Tokyo, le néon, tout ça. Bah, de toute façon, moi, la première fois que j'étais à Tokyo et tout ça, je me suis dit, c'est dingue, je suis dans Blade Runner. Hein. C'est vrai. De toute façon, Ridley Scott l'a dit, hein, c'est ça qui l'a inspiré, ces décors. Ouais. Ces mégapoles d'écran et de building à plus en finir. Et puis même le truc où tu vas manger ce petit bol de noodles, là, tout ça. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes influences là au niveau, je dirais, spirituel, esthétique? Est-ce que tu peux nous écrire un petit peu qui c'est intérieurement Marc Caro? Alors, si je le savais, je pourrais te répondre. Tu vois, il le cherche encore, je le savais. Je le cherche encore. Nous, on cherchait pas ton zen. Non, c'est vrai. C'est... Donc, tu pioches dans les cultures. Comment dire, tout m'intéresse au moins une fois. D'accord. Donc, je suis très intéressé par tout ce qui est scientifique. Je suis très intéressé par tout ce qui est vraiment la pure fiction, la mythologie, les contes et tout ça. Je pense que ça se ressent un peu dans ce que j'ai pu faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette tendance à la science-fiction qui est un vraiment mix des deux. C'est vrai que le côté un peu spéculatif qu'il y a dans la science-fiction, qui essaye de refabriquer une certaine mythologie technologique, en gros, tu vois, me passionne, quoi. C'est vrai que là, on est tellement dans une époque où, au niveau scientifique, il y a des trucs incroyables qui sont en train de se passer au niveau de la matière noire, au niveau de la technologie, j'en parle même pas. Moi, j'ai été faire un documentaire au Japon sur la robotique. Tu vas dans les laboratoires, c'est... tout ce que tu as lu, tu dis, c'est pas encore complètement là, mais... On va y aller, quoi, tous les trucs d'Asimov, les machins comme ça, un jour on va se faire emmerder par notre cafetière comme les bouquins de Philippe Kadic, quoi, tu vois, qui va t'attaquer au procès, vous m'avez pas payé le sucre, des trucs comme ça. Donc, tu vois, tu as une genre d'univers comme ça, ou dans lequel tu peux aller piocher, et à partir de ça, reconstituer et faire... Des petites propositions artistiques et si se passait ça plutôt que ce qu'on voit d'habitude, tu vois, parce que c'est vrai que moi j'ai rien contre, hein. Après il y a des gens qui font ça très très bien, mais faire des films de gens qui vont boire des coups ou manger ensemble avec les potes et des trucs comme ça, je préfère aller boire des coups et manger avec mes potes que aller voir ça au cinéma. Ou les problématiques d'une caissière qui vient se faire virer, tout ça, c'est important. Il y a des gens qui font ça très très bien, tu vois. Mais moi, je ne saurais pas le faire. Tu vois, j'ai connu tous les films. Voilà. Je ne le dirai pas, mais j'en connais tous les films. Même si c'est une caissière de l'espace qui va dans un bar sur un astéroïde, ça pourrait être ça. Alors là, ça dépend de combien... Et que c'est que des Pères Noël qui viennent acheter dans le magasin. Voilà. Et alors là peut-être. Avec des enfants. Mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Père de quai. Bon, je te ferai un pitch et on verra si on peut travailler dessus. Ça va pas être facile de trouver du pognon pour faire ça. Mais... Moi, j'ai une petite question bonus, on va dire, pour finir. Une question qu'on entend souvent. Si tu avais un film auquel tu aurais rêvé de participer ou d'avoir réalisé parce que tu t'y reconnais vraiment à 100%, ce serait lequel? Alors, il y a des films que j'adore, mais il n'y en a aucun
que j'aime à 100%. Il y a toujours un petit truc, même dans un des films qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, je trouve que le masque des singes, ils sont un peu rappelés, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de bouts de films, et c'est ça qui m'a presque donné envie, soit de faire des films ou de la bande dessinée. C'est un peu tout ce que j'ai vu au niveau sonore, parce que je fais de la musique aussi. Oui, tu travailles beaucoup la musique. Et donc, tout, moi, m'intéresse. Et puis, tu peux, à partir de tout ce qui t'a nourri, comme ça, esthétiquement, spirituellement et tout ça, et ben, t'essayes de refaire une proposition à toi, quoi. Et c'est un peu ça le but. Donc, tu ferais un pot pourri, en fait. Voilà, de plein de trucs. Un pot pourri, ouais. Un film de moins 36 heures. Ce sera peut-être son futur film, un pot pourri. Le pot pourri. By Marc Caro. Ouais. Le pot pourri. Avec une grosse voix. Ah bah, en tout cas, ça rendrait bien aux États-Unis. Ils adorent ce mot-là, pot pourri. Je sais pas pourquoi. C'est super. Eh bien, on te remercie en tout cas d'avoir pris du temps avec nous. Alors, si vous croisez Marc, parce qu'il est de temps en temps. À l'absurde séance. Aussi, sur Nantes. Voilà, n'hésitez pas, c'est quelqu'un d'adorable. Et on est très content d'avoir pris du temps avec toi. Mais la gimmick est toujours là, n'est-ce pas Mathieu, parce qu'on se retrouve le mois prochain pour l'émission numéro 7. Ça va arriver, l'invité qui pioche le thème du mois prochain. Main innocente. Oh là là. Attention, attention, attention. Et ça tombe et ça coule. Alors, parfait. Et ça se déroule. Bon, donc plus que... Il n'y en a pas que deux, là. Il n'y a pas Marine et... Ah non. C'est bon. Non, par contre, tu peux changer de Premier ministre, si tu veux. Ah, bon, je ne sais même pas qui c'est. Mais c'est machin Philippe. Donc, tu peux... Alors là, je vous le dis. Tu peux le lire. Oh, bah dites donc. Film de monstre. Hein. Yeah, oh, film de monstre. On va frissonner le mois prochain, au mois de juin. Donc, pour un film de monstre... On parlera de films de monstres. On parlera des films de monstres. Vous savez de quel monstre vous avez parlé? Ouais. Ah, peut-être des monstres sacrés ou alors Gamera. Ah, Gamera. Je vais peut-être parler de troll. Gamera. Oula. Ah, troll. Non. Oui. Ah non, je te l'ai dit. Oh, t'as spoilé, c'est pas grave, ils n'ont pas entendu. En tout cas, merci. Je te mettrai un bip. T'enfoiré. Merci. Mais quoi ça? Je pensais que t'allais dire troll 2. Non, pas troll 2. Merci Marc d'avoir été avec nous. On te remercie. De son coup de nanar. Merci Mathieu d'avoir été encore ici avec moi. Et merci à toi Fabien et merci à toi Marc. Merci à la technique. Je fais coucou à Jeff. Tiens, j'ai envie de faire coucou à Jeff aujourd'hui. Coucou Jeff. Voilà, on a aussi un peu public aujourd'hui. Maintenant, vous savez qu'ils appellent Jeff. À VHS. Donc, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 7 de VHS. Sur les films de monstres, le visionnage hautement subjectif. Au mois prochain. Et ciao. Et je laisse le dernier mot à Marc. Et ben au mois prochain, mais je ne serai pas là. Tant pis pour vous. À bientôt. À bientôt.